Au revoir, papa. Au revoir, au revoir, au revoir, au revoir, au Kungula. Eh, là, le Congolais sont forts. Un Français comme ça, repars chez toi. Kungula. 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 Le tunnel. Kungula. Le tunnel. Kungula. Le tunnel. Kungula. Le tunnel. Vous vous ralliez déjà, monsieur le tunnel. Bipez-moi tous les Burkinabés, tous les Ivoiriens, plus tous ceux qui n'ont pas le bac comme monsieur le tunnel. Voilà. Tous ceux qui sont au RADP mais qui n'ont pas le bac. Voilà, bipez les chers camarades, je suis voilà, le patriote. Ce matin, je me porte très bien par la grâce de Dieu, chers camarades, peuple d'Afrique d'ici et d'ailleurs. Et oui, il y a donc une nouvelle. J'ai fait le post déjà sur Facebook, YouTube. Vous n'êtes pas encore au courant. Peut-être que vous êtes déjà au courant. Pour ceux qui sont membres de notre chaîne Telegram, je n'ai pas repassé ma chemise. Hein. Pour ceux qui sont membres de notre chaîne Telegram, vous êtes déjà au courant, chers camarades, peuple d'Afrique d'ici et d'ailleurs. Bipez-moi aussi Johnny le tunnel. C'est très important parce que il faut qu'ils comprennent que c'est nous. Je vous ai toujours dit que c'est nous qui sommes dans la vérité. Voilà. Je vous ai dit que c'est nous qui sommes dans la vérité. Voilà. Donc, chers camarades, connectez-vous. Voilà, connectez-vous. TikTok, tapotez, touchez l'écran. Touchez l'écran, il y a des bonnes nouvelles au Burkina. Voilà, les bonnes nouvelles au Burkina. Et ça fera... Je me demande comment M. Johnny le tunnel va donc... comment il va se comporter après la nouvelle qui vient de tomber? Il va se comporter comment? Voilà, ça je me pose la question. Il va se comporter comment, cher camarade? J'espère que je suis bien cadré. Hein? Connectez-vous, partagez, surtout partagez. Facebook, partagez-moi cette vidéo parce que ça prouve déjà que nous sommes en train de dominer en Afrique de l'Ouest. Oui. Les dramas qui sont imbus de leurs personnes. Le RDR de la Côte d'Ivoire, là. Les gens, les vampires qui sont au pouvoir, là. Aujourd'hui, le ministre de la Défense, M. Tene Birahima, le petit frère de Draman, est allé voir le ministre de la Défense du Burkina Faso. Il y a des questions qu'il faut se poser par rapport, par rapport aux gens qui crient sur la toile, qui aiment insulter le Burkina, qui aiment bavarder. Qui s'est rallié? Qui s'est déplacé? Ça, c'est, directement, on pose la question, sans état d'âme. Vous dites que le Burkina Faso vaut rien. Vous dites que le Burkina Faso est dirigé par un terreau. Vous dites que le Burkina Faso est dirigé par un rébé. Mais pourquoi vous qui avez pris le pouvoir démocratiquement, là, d'après Guillaume Soro, ceux qui sont démocratiquement prétendument élus, pourquoi c'est vous qui vous déplacez pour aller là-bas? Vous ne voyez pas toujours que Draman, c'est lui qui se déplace pour aller à l'Elysée? Combien de fois Macron est parti en Côte d'Ivoire? Combien de fois? Il est dans son deuxième mandat, hein, Macron. Draman est dans son troisième mandat. Macron s'est déplacé combien de fois pour aller à Abidjan? Jamais. Peut-être deux, trois fois. Moi, je ne sais même pas combien de fois, mais je suis sûr que ça peut pas dépasser trois fois. Mais Draman, ça peut dépasser plus de 100 fois qu'il va voir Macron tous les jours. Matin, midi, soir, il est là-bas. Vous savez très bien. Regardez les BRICS. Est-ce que Poutine s'est déplacé pour aller dans un pays? C'est les pays qui se sont déplacés pour aller là-bas. Donc si aujourd'hui, le ministre de la Défense de Draman se déplace pour aller voir le ministre de la Défense Kassoum Koulibaly, ça veut dire que le respect s'impose déjà. Hey, j'ai pas envie de crier.
Oh, mon petit est en train de se reposer, j'ai pas envie de crier. Oh, le respect s'impose. Le respect s'impose. Le respect s'impose. Chers camarades, je vais vous lire ça pour ceux qui ne sont pas au courant. Oui. L'image à l'appui, l'image est là. L'image est là et ça a été posté sur AIB. Voilà, Agence d'information burkinabé. C'est là-bas, ça a été posté. C'est pas Wawa. Oh, je vous ai dit, même hier, j'ai parlé de ça. J'ai dit le Burkina se fera respecter. Je l'ai dit même hier, même je l'ai dit. Tous les jours, je le dis. J'ai dit, vous célébrez les ponts. Mais vous allez voir, maman, il disait d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, vous allez voir quel pays va respecter quel pays. Vous voyez? La première rencontre entre les deux armées, entre les deux généraux, les deux responsables des armées, c'est-à-dire les deux ministres de la Défense, c'est le ministre de la Défense du Côte d'Ivoire qui s'est déplacé pour aller voir Kassoum Koulibaly. Kassoum Koulibaly, c'était un colonel. C'est le capitaine qui l'a gradé général 2 étoiles. À ce moment-là, il est général 2 étoiles, général de brigade 2 étoiles. Il n'était même pas général, c'est un colonel. Le capitaine l'a gradé général et puis l'a nommé ministre de la Défense. Oh, vous dites quand même, vous dites quand même. Vous racontez vos bêtises. Johnny, avec ça là, tu vas faire encore vidéo pour insulter les Burkinabés? Aïe, aïe, même si on n'a pas honte. Johnny, le tunnel, j'aimerais vraiment que tu répondes à ça. Qu'est-ce que tu vas dire dans ça là? Toi, un gendarme fraliste, ton premier magistrat, ton premier responsable s'est déplacé pour aller voir le petit d'Ibrahim Traoré. Parce que quand tu es président, le ministre de la Défense, c'est toi qui le nommes. Donc en réalité, même si Kassoum Koulibaly est plus âgé que le capitaine, mais en termes de responsabilité du pays, c'est le capitaine qui est son doyen. Donc ça veut dire, toi le fraliste, toi le modia dont l'intelligence se limite à la hauteur de sa taille, ton premier responsable, c'est-à-dire si tu étais encore dans la gendarmerie, ton premier responsable, mais c'était Tene Birahima, le ministre de la Défense de Côte d'Ivoire. Lui, ça va voir le petit d'Ibrahim Traoré. Et toi, le mourousset de vieille femme qui est cloîtré dans le froid, c'est toi qui as d'elle pour insulter le capitaine. Tous les jours, tu l'insultes. Tous les jours, tu dis il est terreau, il est rébé. Mais quel est ce rébé? Que le ministre de la Défense de ton Draman se déplace, lui-même il se déplace pour aller voir le petit d'Ibrahim Traoré en termes de grade et de responsabilité du pays, je précise. Parce que Kassoum Koulibaly est plus âgé que le capitaine. Mais en termes de responsabilité, le capitaine est le premier magistrat, le chef suprême des armées. Et c'est lui-même qui l'a gradé général de brigade. Johnny, on fait comment? Est-ce que tu peux tenir avec l'AES même? Moi-même, tu m'as fui. Tu as fui les clashs. Vous voyez, non? Respectez le combat des Africains, chers camarades. Respectez le combat des Africains. Alors, j'ai même fait le petit poste encore. Voilà le petit poste encore que j'ai fait. Je vais vous lire ça. J'ai dit, Johnny le tunnel, virgule. Tu dis que le Burkina est un pays poussiéreux. Mais pourquoi c'est ton ministre de la Défense qui s'est déplacé pour aller les voir? Le respect s'impose-t-il déjà? Mais où est le bac? Voilà le poste que j'ai fait. Les commentaires sont en train de venir un peu. J'ai fait, ça fait même pas encore 20 minutes. Ça fait 14 minutes que j'ai balancé. En même temps, j'ai balancé le direct. Johnny, tu n'as pas bac. Et c'est toi qui parles à monsieur Ibrahim Traoré, c'est ton ami. Quand toi, tu parles et puis lui, il parle là. Est-ce que vous avez le même niveau même? Vous n'avez même pas le même niveau dans le langage avant de parler les diplômes. Donc, à partir d'aujourd'hui, là, vous, les cyber, résistants, pas résistants, les cyber-activistes du RDR, vous devrez la fermer quand il s'agit du Burkina Faso et de l'AES. Parce que qui dit Burkina Faso, mais dit complètement directement le Mali et en même temps le Niger. Et vous allez voir, je suis sûr que M. Tere Birahima va faire un petit crochet au Mali. Soit en même temps, le même voyage, ou bien un autre voyage. Parce que vous savez qu'en termes militaires, je ne suis pas trop sûr que le Burkina dépasse le Mali, pour l'instant. Parce que les Burkinabés que je vois là, ils sont en train de venir en pas des géants. Hein. Donc actuellement, je peux dire pour l'instant, ils ne dépassent pas encore le Mali. Mais rien ne prouve que d'ici 2024 va finir, le Burkina risque de devenir le leader ouest-africain en termes militaires. Parce que je vous dis que, moi, je vous ai dit que j'ai un côté spirituel développé. Quand je regarde, je comprends en même temps. Ceux-là ne sont pas là. Ibrahim Traoré n'est pas là pour s'amuser. Ce n'est pas un plaisantin. Il ne cherche même pas à être riche. Ce monsieur-là, je suis sûr même qu'il n'a jamais volé, même, il n'a jamais pris même 1 million de francs CFA dans le contribuable burkinabé depuis le pouvoir. Ça, c'est moi, je suis sûr. Je suis sûr. Peut-être qu'il a pris quelque chose, c'est son budget de souveraineté. Est-ce que ça existe même? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que même il a bougé de souveraineté même? Est-ce qu'il prend salaire même?
Si on met carburant dans sa voiture, s'il mange, et puis il y a un peu qui peut soutenir sa famille, c'est tout. C'est pas quelqu'un qui est venu pour de l'argent. Sinon, il allait faire comme les Clotaires. Il allait se rallier à Toubabou. Chers camarades peuple d'Afrique, on va montrer la photo d'abord pour avancer. On va montrer la photo. Oh, Johnny le tunnel. Oh, ça fait pitié. Hein. Oh, hey. Ça fait pitié. Hein. Ça là même là, tu as critiqué les Burkinabés comment maintenant? Ben si tu parles pas, on dit, hey, tais-toi, ton ministre est déplacé. C'est ce qu'ils vont dire. Ils vont dire, hey, tais-toi, on est supérieur. Tu parles pas, on dit, hey, tais-toi. Qui est parti voir qui? Ah oui, c'est lui qui rend visite. Il est toujours petit. C'est comme ça. Hein. Ça dit, il parle de la visite elle-même. Oui. Même si mon grand frère vient chez moi ici, il est obligé de se comporter en humilité, même s'il n'est pas humble. Parce qu'il n'est pas chez lui. On est d'accord ou pas? Celui qui rend visite est toujours petit dans le cadre de la visite, bien sûr. On est d'accord, non? Celui qui rend visite, c'est lui qui va demander eh, où est le gobelet? Le gobelet là, ça y est où? Je vais boire un peu d'eau. La douche là est située où? C'est comme ça. Voilà. Et puis les premières rencontres sont très, très symboliques. Pourquoi c'est le ministre de la Défense ivoirien qui se déplace pour aller voir le ministre de la Défense burkinabé? Là, voici les deux. Voici Kassoum. Voici le général Kassoum. Et puis voici Tere Birahima. Ça ne ment pas. Vous voyez, est-ce que vous voyez immeuble ici? Il n'y a pas immeuble, il n'y a pas pont, il n'y a pas tunnel. Quand tu vois, même, ils sont sur la terre, poussiéreux. Donc quand tu vois même les arbres là, tu sais automatiquement que c'est au Mali. Puisque voici les trucs qu'ils ont reçus hier, dont j'ai fait la vidéo. Voici les citernes qu'ils ont reçues hier. Donc c'est à la base militaire qu'il est parti le recevoir. Donc peut-être même que la Côte d'Ivoire est en train de se rapprocher du Burkina pour pouvoir avoir des équipements militaires. Pourquoi c'est à la base militaire qu'ils allaient le recevoir? Pourquoi Tene Birahima s'en va à la base militaire? Voici un cargo militaire qui est là. On ne les reçoit pas à la présidence, on met dans le bureau du chef d'état-major, du ministre de la Défense. Il n'a pas de bureau. Kassoum Ouattara n'a pas de bureau. Il a bureau. Ça veut dire qu'ils sont allés lui présenter ce qu'ils ont. Le peu. Ils ont montré un peu seulement. Donc ça veut dire que l'État de Côte d'Ivoire reconnaît. L'État Dramanistan, Tene Birahima, le photocopie, reconnaît que le Burkina a des armes qu'eux, ils n'ont pas. Donc il est allé visiter quelques armes. C'est clair, ça est là. L'image parle d'elle-même. Sinon, on pouvait les voir dans le bureau où il y a deux drapeaux, drapeau de Côte d'Ivoire. Mais pourquoi il est dans une base militaire du Burkina Faso? Il cherche quoi là-bas? Il cherche quoi là-bas? Il est le chef d'état-major, c'est un ministre. Les ministres, c'est dans le bureau. Les ministres, c'est dans le bureau, ça se reçoit. Il est allé voir, ils sont allés leur montrer. Voilà. Donc vous allez voir, pendant que Johnny Pateko insulte le capitaine, pendant que Johnny Pateko bête, ça dit de manière bête, insulte le capitaine, le pouvoir d'Abidjan se rapprochait du Burkina Faso pour dire, mais comment vous faites? Et puis, hein, les gars là, vous donnent comme ça les armes. Comment vous faites? Hein? Et parlez-nous un peu. Vous êtes parti voir les Égyptiens, vous êtes parti voir Erdogan. Est-ce que vous ne pouvez pas nous aider un peu parce que Toubabou nous empêche de nous armer? Toubabou nous empêche d'acheter les troupes. Donc on fait comment? Johnny, tu vas rester au niveau de ta taille. Et puis Côte d'Ivoire risque de rentrer là-bas. On ne sait jamais. Il y a un miracle qui peut se passer. Hein? Parce que ça, là, l'Élysée ne va pas aimer. On est d'accord? L'Élysée n'aimera pas ça. Ou peut-être même que dans les coulisses, dans le secret des secrets, il y a un problème entre l'Élysée et la Côte d'Ivoire. Les gens cherchent déjà des alliés. Si ça chauffe là, ils sont capables d'appeler cela en renfort. Ça, c'est des choses futures. C'est-à-dire ce qui peut se passer. Si Toubabou veut les malmener, on ne sait jamais. Hein? L'homme change, hein? On ne sait jamais. Parce qu'eux, ils veulent pérenniser leur pouvoir. Tene Birahima, que vous voyez là, il veut devenir président de la République, pour ceux qui ne le savent pas. Il veut devenir président de la République. Attends, peut-être que Toubabou a déjà positionné un Guillaume Sorombe, un Blé Goudé. Et ils ne veulent pas céder la place à un autre parti politique, à part leur parti politique. Donc, même s'il faut se rapprocher de l'AES pour Bamougou le Toubabou, ils sont capables de le faire, on ne sait jamais. Pour rester au pouvoir. Vous voyez, ça c'est des choses. Je n'ai pas dit, je confirme rien, je n'affirme rien, je n'infirme rien. Je suis en train de donner des hypothèses, des probabilités, des choses qui peuvent arriver. Parce que je regarde l'image, je me dis, mais pourquoi c'est dans la base militaire, ils vont le recevoir? Pourquoi? Ils sont partis faire quoi là-bas? Il n'y a pas fauteuil là-bas. Ce n'est pas climatisé. C'est poussiéreux. Pourquoi c'est à côté des équipements militaires qu'ils sont, ils sont allés le recevoir? Voilà, c'est ça le vrai point, chers camarades. Donc voici le petit test qui m'a été balancé, chers camarades, pour ceux qui ne le savent pas. On va lire un peu. Voilà, on va lire un peu. Rencontre entre les deux ministres de la Défense de Côte d'Ivoire et de Burkina Faso. Rencontre à Niangologo,
Niangologo, sur le territoire burkinabé ce vendredi, c'est aujourd'hui, hein. C'est pas hier, c'est aujourd'hui, ce vendredi, le général de brigade Kassoum Koulibaly, ministre burkinabé de la défense du territoire, et son homologue ivoirien Tene Birahima Ouattara, petit frère du président ivoirien Alassane Dramane Ouattara. Regardez, et puis regardez sur AI là, AIB là. Regardez comment on appelle Tene Birahima. C'est sur AIB hein, qu'on a pris. Regardez comment on l'appelle. Ils ont mis en parenthèse petit frère du président ivoirien A.D. Ouattara. Ça veut dire quoi? C'est ado. Ça veut dire, pendant que vous vous dites Alassane Ouattara, Alassane Ouattara, les Burkinabés savent qu'il s'appelle Dramane. Ça y est là. Ils ont mis A. D. Grand D. Point, et puis ils ont mis Ouattara. Président ivoirien. A. D. Et puis Ouattara. Vous voyez, non? Donc quand nous on dit Dramane Ouattara, on ne l'insulte pas. C'est comme ça qu'il s'appelle. C'est son nom à l'état civil. Quand il est né là, son papa Dramane a donné son nom Dramane. Son papa s'appelle Dramane. Ça y est sur AIB. Agence d'information burkinabé. Ça y est là. Je vois ça là. Bédra comme ça. Donc ça y est là. Donc je reprends. Rencontre à Niangologo sur le territoire burkinabé ce vendredi. Le général de brigade Kassoum Koulibaly. Le général de brigade Kassoum Koulibaly, virgule, ministre burkinabé de la défense, et son homologue ivoirien Tene Birahima, en parenthèse, petit frère du président ivoirien A.D. Ouattara, grand A, grand D, Ouattara, se sont rencontrés pour discuter des questions sécuritaires régionales. Vous voyez? Donc, ils ont parlé des questions sécuritaires. Ça veut dire... Écoutez, s'il vous plaît, partagez-moi cette vidéo, je vais parler un peu. S'il vous plaît. Ils se sont rencontrés pour parler des questions sécuritaires, c'est-à-dire l'armée. Sécurité, c'est l'armée, c'est les BAO, c'est les dronitifications. Pour parler de ça, pourquoi c'est le petit pays qui reçoit le grand pays? Pourquoi c'est le pays où il n'y a pas de tunnel là? C'est lui qui reçoit le pays où il y a tous les ponts du monde. Pourquoi c'est le pays où ils sont affamés, où il n'y a pas de bitume, il n'y a rien? C'est eux qui reçoivent un problème sécuritaire. Mais vous n'avez pas dit que le Burkina, la Côte d'Ivoire est plus armée que le Burkina? Vous n'avez pas dit que la Côte d'Ivoire est plus armée que le Burkina? Que la Côte d'Ivoire est 10 fois mieux que le Burkina? Mais vous avez tout l'argent du monde. On parle d'un problème sécuritaire de la région, c'est-à-dire entre la frontière ou bien les terroristes, tout ce que vous voulez. C'est-à-dire tout ce qui concerne les armes. C'est pourquoi les deux ministres de la Défense se sont croisés. Mais normalement, c'est le petit pays qui doit aller voir le grand pays pour discuter. Mais pourquoi c'est le grand pays qui se déplace en réalité qui est grand? C'est ce que je disais à Donny hier. C'est ce que C'est ce que je disais à Johnny, le tunnel. Hier, yeah, ma vidéo d'hier, j'ai dit ça à Johnny, le tunnel. J'ai dit pas plus tard que hier. Regardez bien là, mon direct d'hier, sur le même Burkina là. J'ai dit à Johnny, le tunnel, que la grandeur d'un pays, ce n'est pas les tunnels et les ponts. Parce que le jour que vous ne vous attendez pas avec Toubabou, eux-mêmes, ils vont venir casser les ponts là. Tu vois? Donc la grandeur d'un pays, c'est d'abord la sécurité nationale. L'indépendance militaire, militaro-militaire. Quand tu es dépendant militairement, personne ne viendra gratter ton mur. Je sais pas si tu comprends un peu. Oui! Quand tu es prêt, quand la sécurité est garantie, quand tu construis, ça restera pour toujours. Parce que celui qui va se jouer au cul du sale, aux fesses du pape, la personne comprendra. Mais quand tu n'es pas armé et que tu construis des tours, quelqu'un peut venir parce que c'est comme dans la jungle. C'est le plus fort qui mange le plus faible. Vous voyez maintenant, non? Donc c'est ce que je disais à Johnny. J'ai dit qu'en réalité, c'est le Burkina qui est plus puissant que la Côte d'Ivoire. C'est le Burkina qui est plus grand que la Côte d'Ivoire. C'est le Burkina qui est plus élevé que la Côte d'Ivoire. Parce que au niveau de l'honneur, de la dignité, de la souveraineté. Est-ce qu'il connaît le mot là-même? Ah, il connaît pas, souvent il prononce. De la souveraineté. Au niveau de la souveraineté, le Burkina est plus souverain que la Côte d'Ivoire. Au plan politique. Le Burkina ne prend pas ses ordres à l'Elysée. Partagez vidéo là, moi, il y a parlé. YouTube, vous êtes cassant, il faut liker, pardonner. Aïe. Likez la vidéo YouTube, pardonnez, likez. Regardez en haut, il y a trois petits boutons. Ou bien regardez en bas, mettez des likes. Vous êtes bon, c'est tombé à 300 maintenant. 300, vous êtes 336 personnes, il y a 40 likes. C'est pas trop joli. Likez la vidéo, chers camarades. TikTok, tapotez là-bas. Voilà, tapotez, chers camarades TikTok. Merci, il y a 4000 là-bas. Tapotez. Tapotez, on est à 4000 likes. Tapotez TikTok, touchez l'écran. Facebook, partagez-moi cette vidéo, on va parler.
Quand on vous dit qu'on est dans le bon combat, quand on vous dit que le vrai combat c'est dans la ES, quand on entend de se battre, vous pensez que vous êtes plus intelligent que vous, nous. Un homme qui est court, qui réfléchit à la hauteur, dont la réflexion se limite à la hauteur de sa taille. Quelqu'un qui est là pour Mougou, vieille blanche. Un homme qui est premier de classe dans toutes les matières en terminale, il te donne l'intelligence, tu dis ping ping. Toi, tu vas venir faire vidéo pour dire que moi, il ne peut pas parler français avec, il peut pas parler français que toi. Que moi, je ne suis pas intelligent que toi. Que nous qui écoutons les babos, l'oral, on est illettré. En bon. Tu vois maintenant notre illettré là, non? Notre illettrement là. Satan de gagner le combat. On attend de gagner le combat. Vous êtes en train de vous rallier. Parce que pour la discussion des problèmes sécuritaires. Mais pourquoi c'est vous qui vous déplacez? C'est ça. Ça veut dire que peut-être que vous avez essayé de les faire déplacer. Et eux, ils vous ont dit, alors là, non, il faut qu'on se respecte. Nous parlons de... Si on parle de problème de pont, là vous êtes expérimenté dans les ponts. On peut se déplacer pour venir prendre vos schémas de pont. Mais quand on parle de sécurité, nous on est bien que vous. Donc c'est à vous de venir pour voir ce que nous avons. Comme ça vous allez vous inspirer pour aussi acheter aussi. Et puis on va sécuriser le coin. Donc Johnny le tunnel, avant de venir parler dans notre affaire, nous qui avons le bac là, toi il faut avoir le bac. Parce que tu ne peux pas voir à l'avenir, tu ne connais pas la perspective. Tu ne connais pas les perspectives, les choses à venir. Donc tu réfléchis, je ne sais pas comment parler. Ta réflexion se limite à la hauteur de ta taille. Tu vois, non? Et ta vue se limite à la hauteur de tes lunettes noires que tu portes comme un aveugle. Voici pourquoi tu n'as pas vu venir ce qu'on voit maintenant là. Lui qui te parle là, même hier, ça s'est passé aujourd'hui, jeudi, j'ai parlé de ça. Même chose dont je parle là, parce qu'on voit loin, on nous a appris à réfléchir. Tu vois? C'est ça qui est la vérité. Tu vois, non? Coucou, nous baillons Luc. Bipez-le, taguez-le dans le direct, il va venir voir. Taguez-le dans le direct, il va venir voir, cher camarade. Merci beaucoup, mon frère, M. Arnold. Notre illettrisme, c'est ce que je cherchais. J'ai dit illettrement. Voilà. Notre illettrisme, là, ça nous permet de voir loin. On est illettré, mon Seigneur, on a toujours raison. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas vous qui avez donné une semaine au Niger. Vous n'avez pas dit que vous voulez Bamougou le Niger. Nous, on a dit que vous ne pouvez pas Bamougou le Niger. On a dit que ce n'est pas possible. Parce qu'on a réfléchi. Les trois pays se sont mis ensemble. Et puis, Vlad était sur le terrain. Avant qu'il ne décède là, le gars là, il n'a pas dit son nom ici. Il était sur le ses éléments étaient sur le terrain. Or, nous savons que la Russie est plus armée que la France. Donc, la France ne pourra jamais prendre le risque de dire à sa soi-disant CDAO de venir bombarder le Niger. Donc, on avait déjà compris que le Niger n'allait pas être attaqué. C'est pourquoi nous, on a soutenu le Niger. Aujourd'hui, le Niger est calme. Tu as vu qu'ils ont lancé Banger là-bas? Est-ce que tu as vu qu'ils ont lancé Banger? Parce qu'on a vu loin, on réfléchit. Vous ne réfléchissez pas, vous n'avez pas vu loin. C'est pourquoi aujourd'hui, ça vous a surpris. Vous voyez? Non, c'est ça. Il faut que tu nous montres le bac. Mais tu nous montres l'université, mais c'est trop facile. Moi, je peux me lever ici, aller à New York, rentrer dans n'importe quelle université. On ne va pas me contrôler. Ils vont considérer que je suis un étudiant. Je peux même aller même dans un amphi, m'asseoir dedans, puis suivre le cours. C'est pas comme en Afrique où on dit, où tout le monde se connaît, l'université c'est Gaïa. Tu t'en dans une université où ta femme enseigne et puis tu viens fatiguer les gens. Tu vois, ton ministre de la Défense, le président pour lequel tu cries là, son ministre de la Défense est allé voir le ministre de la Défense de celui que tu insultes matin, midi, soir. Il est allé le voir. On fait comment? Donc maintenant, ta seule cible, c'est M. Koudou Laurent Gbagbo, c'est fini. Parce que si tu traites encore Ibrahim Traoré de terro, vraiment, la honte de ça, Adama. La honte de ça. On peut faire ça, Adama? Est-ce que tu peux encore? Parce que ton ministre de la Défense, c'est parce qu'il le respecte qu'il s'est déplacé. C'est celui qui respecte. C'est celui qui voit l'autre comme grand. C'est lui qui se déplace. Donc, en réalité, le respect s'impose déjà. Mais si vous êtes toujours avec Toubabou, si vous ne cherchez pas à venir avec nous dans l'AES d'ici 10 ans, c'est même pas ministre qui va se déplacer. C'est président qui va se déplacer. Et toi, tu seras derrière. Président se déplace et toi, tu attrapes son sac. Vous allez partir les voir. C'est pas ministre qui va... Pour le moment, c'est ministre de la Défense, non? Mais toi, dans un pays, quels sont les postes clés d'un gouvernement ou un pays? Mais c'est président de la République, ministre de la Défense, chef d'état-major. Et puis, bon, on peut dire, bon, l'Assemblée nationale. Je pense bien même que le deuxième poste le plus important dans un pays, mais c'est le ministre de la Défense. Puisque le président, il est hors pair. C'est pourquoi... Au niveau de la justice, on l'appelle le magistrat suprême, mais je ne sais quoi. Au niveau des armées, on l'appelle le chef suprême des armées parce qu'il est président de tout. Mais à part lui, après lui, là, c'est même pas affaire des premiers ministres. Est-ce que les premiers ministres, là, eux, là, ils vont défendre le pays comment? Eux, ils sont là pour faire chose des ministres, les trucs. Le vrai poste qui suit, c'est la défense. Tout le monde le sait.
Si les gens respectent les États-Unis, c'est parce que notre pays est le plus beau au monde. Au moins, on est le plus riche. On a plus d'argent que tout le monde. Tout le monde sait que la Chine est plus riche financièrement que les États-Unis. Tout le monde le sait. Même si beaucoup ne le disent pas, mais tout le monde le sait. Il faut taper sur Google, tu vas voir. Vous voyez? Voilà. En termes de jet, là, ils ont les jets. Mais en termes de doum, boudoum, boum, on a plus. Vous voyez maintenant, non? C'est ça qui est la réalité. Donc, le respect s'impose, mon frère, le tunnel. Voilà. Donc, à vous tous, les cyberactivistes du RDA, à partir d'aujourd'hui, laissez le Burkina tranquille. Le Burkina Faso n'est pas camarade de quelqu'un, désormais et dorénavant. Ils sont poussiéreux. Tu as montré des motos. Mais comment dans un pays où tous les citoyens ne font que rouler des motos, comme tu l'avais montré la fois dernière, Johnny le tunnel. Comment c'est dans ce pays-là où il n'y a pas bitume? Ça dit, maintenant, Brian m'a pu tomber malade. Pourquoi n'a pas porté ma masque? Regardez, ils sont dans un pays de poussiéreux. C'est même l'autre là qui a porté masque. Parce qu'il ne veut pas se faire violer. On connaît la vérité. Voilà ça. Kassoum a porté masque. Voilà. Tene Biraïma n'a pas porté masque. Mais il y a poussière. Il fallait qu'il porte masque. Pourquoi Kassoum a porté masque? Mais parce que tout le monde connaît. Lui, là, sa réputation est connue partout en Afrique. La violation. Tu vois? Kassoum est prudent. Il a porté masque pour éviter la violation. Mais Tene Biraïma devrait porter masque aussi pour éviter la poussière, non? Vous n'avez pas dit qu'il y a poussière là-bas? Ah, donc les êtres humains peuvent respirer là-bas. Ah, donc il n'y a pas poussière là-bas. Ah, il a compris. Il a compris. Il ne savait pas ça où. Ah, nous, on a toujours dit qu'il y a poussière. Donc, nous, on s'est préparé. Voilà pour moi là-même. J'ai mis mon masque là-même. Oh, j'ai mon masque là qui n'était pas ici là. J'ai acheté un paquet là, ça y est là. Comme ça, le jour où je vais là-bas, il a porté masque. Vos maudits ploco placabeur. Vos maudits ploco placabeur. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pas toi qui as fait un contenu la fois dernière, avant-hier. Tu as montré les motos. Et puis tu as montré pourquoi tu vois il y a les véhicules. Mais comment un pays où tout le monde a voiture se déplace pour aller dans un pays où tout le monde a moto? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui impose le respect. C'est la défense. La Côte d'Ivoire n'a même pas 10 drones. Les Burkinabés, on ne peut même pas compter. Tout récemment, ce même mois d'avril, là, ils ont reçu 12 de la part de Erdogan. Question. Avant ça, là, depuis l'année passée, ils sont en train de faire dronification. Hein. Ce n'est pas avec lance-pierre, ils font ça. On est d'accord? Ce n'est pas avec lance-pierre, ils font les drones. C'est-à-dire qu'ils ont déjà des drones avant de recevoir les 12. Là. Donc, s'ils n'ont rien, peut-être même que c'est 50 ou 100. Mais un pays ne donne pas tout, ne dit pas tout. Tu vois, non? Mais la Côte d'Ivoire n'a même pas 10 drones. Il n'y a pas quelqu'un qui peut même tenir Birema témoin. Il n'y a même pas 10 drones là-bas. Il y a bien 10. Il n'y en a pas. Un pays qui a un seul hélicoptère d'attaque. Bon, si Abidjan est attaqué, ou bien si Korogo est attaqué, le temps l'hélicoptère va partir à Korogo, Korogo est pris. Oh, eh, Niawa, Adam, on peut faire ça. On peut faire ça, cher camarade. Oh, eh, on peut faire ça. Donc, cher camarade, la conclusion de ce petit direct, c'est tout simplement que, cher camarade, vous êtes 462 sur YouTube. S'il vous plaît, likez. Et Facebook, on est tombé, on était presque à 1000. Mais là, le nombre a chuté à 656. Est-ce que vous pouvez pomper le cœur? Pomper le cœur pour Ibrahim. Aïe, maman, pour Ibrahim. On pompe le cœur pour Ibrahim. Aïe, maman. Oh, je suis fin. C'est ça là que je voyais venir. Et puis j'ai dit que le Burkina Faso fait un bon combat. Le Burkina Faso fait un bon combat. Le Burkina Faso est dans la vérité. Parce qu'un pays qui n'est pas armé, un pays qui n'est pas armé n'est pas un pays qui fait peur. Si tu veux, il faut avoir tout le gratte-ciel. Si tu veux, il faut construire les ponts à gogo. Il faut construire tunnels. Si ton armée n'est pas puissante, tu n'es pas respecté. Tu n'es pas craint. Nous sommes dans un monde là où c'est fer qui coupe fer. Voilà. On n'a pas dit que c'est route qui fait une autre. On dit que c'est fer qui coupe fer. Voilà. Même hier même, je l'ai dit. Il a dit si on laisse le Burkina et puis la Côte d'Ivoire fa. France n'est pas dedans. Russie n'est pas dedans. Aucun pays africain ne vient soutenir. On dit Côte d'Ivoire, Burkina. On dit c'est parti. Bamougoussez-vous. Mais même une semaine est trop. En moins d'une semaine, les Burkinabés peuvent prendre tout le territoire ivoirien. C'est moi qui vous dis ça. Il suffit de classer 10 drones. On peut prendre 10 drones pour tout Abidjan. Et puis le reste, là, on départage. Les gens ont plus de 100. Peut-être même qu'ils ont 200. Mais ils ne peuvent pas tout dire. Un pays ne dit jamais tout. Vous pouvez tenir devant ceux-là. Des gens qui sont dans la dronification, ça fait des années. Quand le capitaine est venu là,
Ils ont, j'ai même oublié le nom de la ville. Il y a une ville qui était occupée par les taureaux pendant des années. Mais le drapeau burkinabé flotte là-bas, actuellement où je vous parle là. Ils ont repris la ville. Ça fait eux où vous voulez jouer. Des gens qui sont en train de dronistifier tous les jours, ils sont dedans. Même hier, ils ont fait. Même peut-être là où je parle, ils sont en train de faire le montage pour nous présenter. Ça fait eux où vous voulez jouer. Allez-y prendre des coups. Je pense que M. Dramane Ouattara est en train de devenir sage. Vous voyez, non? Il devient. Ça, c'est la sagesse qui commence. Malheureusement, sa sagesse commence lorsqu'il a plus de 82 ans. Sinon, il commence à devenir sage. Il commence à comprendre que pour une sécurité régionale, Toubabou ne peut pas les aider. Vous comprenez, non? Regardez, le texte est là. Je vais lire encore. Rencontre à Niagologo sur le territoire burkinabé ce vendredi. Le général de brigade Kassoum Ouattara, ministre burkinabé de la Défense, et son homologue ivoirien Tene Birahima, en parenthèse, petit frère du président ivoirien A.D. Ouattara, se sont rencontrés pour discuter de quoi? Des questions de sécurité régionale. Mais il y a un partenariat, mais un accord de défense entre l'État de la Côte d'Ivoire et l'État de Toubabou. Donc si et Toubabou a des bases militaires en Côte d'Ivoire, les 43e Bima, là, ils ont des chars de dernière génération là-bas. Le clair est là-bas, et puis le noir, et puis le jaune. Ils ont tous ces chars-là. Ils ont des rafales, ils ont des hélicoptères. Ce qu'ils ont pris pour bombarder le palais présidentiel, là, ils ne peuvent pas prendre ça pour vous aider, pour la sécurité. Pourquoi vous partez au Burkina Faso? Parce que vous savez que Toubabou n'est pas venu en réalité pour nous aider. Vous commencez à devenir sage. Oui, oui, oui. Ils ont compris que s'ils veulent compter sur Toubabou, leur pouvoir, là, en 2025, ça va tomber. Ils ont compris. Donc, comme ils veulent pérenniser leur pouvoir, ils cherchent maintenant des alliés. Ils cherchent à séduire aux alentours. Ils cherchent à pouvoir rentrer dans le secret des Burkinabés et de l'AES pour avoir des armes aussi pour s'armer. Vous voyez? Donc, ils commencent à devenir un peu sages. Et même s'ils continuent comme ça, moi, je vais lui dire, Monsieur Dramane Ouattara, faut faire ça, mon frère. Faut faire ça comme ça, la côte va monter un peu. On va faire comment? On a oublié de mendier. Ça, c'est la mendicité. Puisque vous dites que la Côte d'Ivoire est plus propre que le Burkina. La Côte d'Ivoire a plus d'argent que le Burkina. La Côte d'Ivoire est plus grosse que le Burkina. Elle est plus peuplée que le Burkina. Elle est la première productrice de cacao que le Burkina. En plus, vous les narguez. C'est nous, on vous donne courant. Comme si courant, là, c'est gratuit. Pourquoi c'est vous qui partez là-bas à faire de sécurité nationale? Vous êtes des mendiers. Vous avez besoin de quelques calaches et de quelques obus de leur part. C'est la preuve que militairement, il n'y a pas match entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. Alors, Dramane Ouattara, faut continuer, mon frère. Quand ça chauffe, là, c'est où on peut avoir aide, là, c'est là-bas, on s'en va. Oui, ça c'est sur le côté, je ne suis pas un pro-RDR, mais c'est sur le côté. Mon frère, il faut partir. Si tu n'as pas le choix, on fait comment? Puisque Toubabou ne nous aide pas. Toubabou n'est pas venu pour nous. Donc, M. Dramane Ouattara, il faut aller mendier le Burkina Faso. Ils vont t'aider, mon frère. Ils vont t'aider. Comme ça, Tene Brahim va devenir président un jour. Sinon, si tu veux rester là toujours dans les accords bilatéraux entre la France et puis la Côte d'Ivoire, un bon matin, ils vont te scier. Hein. Ceux-là, ils n'aiment pas dur, ils n'aiment pas rester avec le même président pendant longtemps. Hein. Surtout quand tu veux faire ce qu'ils n'aiment pas là, ils vont tout faire pour t'enlever. Voilà. Donc, voici un peu le but de ma vidéo, de mon intervention. Ça fait 32 minutes que je suis là, chers camarades. Merci à TikTok. Je vois 8.9K. Merci beaucoup pour les likes. Facebook, YouTube, vous êtes 448 personnes. Il n'y a toujours pas 100 likes. Je vois 70 likes. C'est pas du tout fameux. Facebook, 500 quelque chose. Bon, voilà. Les cœurs ne montent pas trop, c'est pas fameux, mais je vous remercie quand même à toutes les personnes qui ont regardé, celles qui vont regarder plus tard, essayez de mettez des likes, voilà, embellissez la vidéo, voilà, soutenons le capitaine, mettez des bons commentaires, voilà, et partagez la vidéo, notamment sur YouTube et sur Facebook, partagez, chers camarades, parce que c'est ça qui est la vérité, au fait, c'est ça qui est la vérité. Donc, monsieur Johnny Le Tunnel, tu vois, c'est pourquoi j'ai dit, il faut chercher le bac, tu vas boucher le tunnel là. Parce que le bac là représente le ciment de ton cerveau. Si tu n'as pas le bac, il faut aller faire candidat libre. Il faut repartir en Côte d'Ivoire, tu vas faire bac là. Ça va te permettre de cimenter et de boucher le tunnel. Parce que le tunnel fait que la réflexion, elle rentre mais elle sort de l'autre côté. Il y a un gros trou, le tunnel c'est un gros trou, c'est comme puits. Tu vois, sinon tu allais voir venir tout ça là. Mais là avec ça là, tu vas faire comment? Tu vas dire quoi? Tu vas continuer d'appeler le capitaine Ibrahim Traoré Tero. Ah, donc, si à partir d'aujourd'hui est le 19 avril,
Si tu appelles une seule fois le capitaine Ibrahim Traoré Tero, ça veut dire que Tel Ibrahim, c'est un terreau. Ah oui, les oiseaux de même plumage volent. Faut compléter, Johnny. Mais ça aussi, tu connais pas. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour connaître. Hein. Les oiseaux de même plumage volent. Ah d'accord, il va compléter. Depuis sa position finlandaise, voilà, depuis le dos de sa femme vieille blanche, et il est là-bas, il est là, on dirait cheval. Faut compléter, Johnny. Voilà. Donc, si tu l'appelles Tero, c'est que désormais, dorénavant, nous, on va appeler Tel Ibrahim Tero, parce qu'il est allé voir l'équipe de Tero au Burkina Faso. Donc, à partir d'aujourd'hui, il faut chercher une autre appellation. Il faut l'appeler le président Ibrahim Traoré. Parce que le simple fait que le chef de l'armée, ou bien le ministre de la Défense se déplace pour aller voir le ministre de la Défense, ça veut dire que vous reconnaissez. Donc ils sont plus des putschistes. Puisque Dramane Ouattara, il a reçu les autres bons putschistes. Il a reçu Clotaire, et puis il avait reçu Damiba à son temps. Ah, merci beaucoup mon frère, sur TikTok, merci. Il a reçu Damiba. Mais Damiba aussi était pareil. Il n'a jamais reçu Ibrahim Traoré. Ah, donc maintenant, le ministre de la Défense va maintenant en Côte d'Ivoire. Donc, vous les reconnaissez maintenant. Donc, à partir d'aujourd'hui, ils sont plus terroristes, ils sont plus putschistes, non? Là, on est d'accord. Ok, donc je pense que c'est propre maintenant. Chers camarades peuple d'Afrique, merci. La victoire est dans notre camp. Ils vont se rallier un à un. Ne vous pressez pas. Ils vont se rallier. Ils vont se rallier. Les Béninois et eux, tout cela, ils vont se rallier, chers camarades. Alors, je réitère pour les nouvelles personnes qui viennent d'arriver avant de couper. Chers camarades peuple d'Afrique, le ministre de la Défense, Tel Ibrahim Ouattara, petit frère de Alassane Dramane Ouattara, merci beaucoup mon frère pour les fleurs, merci, pour les dons. S'est déplacé pour aller voir le ministre de la Défense du Burkina Faso. Ce qu'il voudrait dire, d'abord, c'est par rapport à la sécurité, à la question de la sécurité régionale. Et vous savez très bien, quand on parle de sécurité régionale, il ne s'agit même plus de la police, ni même des eaux et forêts, ni même même pas des gendarmes. Il s'agit même des armées des deux pays. Et la preuve, ils se retrouvent, voici les deux qui sont là, ils sont dans une base militaire au Burkina Faso. Ils sont dans une base militaire au Burkina Faso. J'ai une seule photo qu'on m'a balancée. Je vais essayer, rester en ligne un peu, je vais essayer... Même si je vous ai déjà dit au revoir, beaucoup sont déjà partis. Merci TikTok, on est à 10 000. Merci beaucoup, chers camarades, c'est gentil. Mettez les fleurs, TikTok, pompez les fleurs, chers camarades. Voilà. Donc, je vais taper AIB pour voir. AIB. Il y a beaucoup de AIB. Voilà. Venez, vous allez voir. Il y a plein de photos maintenant. Voici le ministre. Voici les deux ministres qui sont là. Voici Tel Ibrahim et le ministre de la Défense. Vous voyez, non? Voilà. Vous voyez, la voici ici. Vous voyez, voilà, entouré de militaires. Mais c'est ceux-là qui ont fait le coup d'état et puis ils ont renversé Damiba. Vous les avez traités de terreaux pendant des années. Mais voici, tous ceux qui sont dans les treillis là, c'est les Zap, c'est la collaborateur d'Ibrahim Traoré. Vous faites alliance avec des terreaux maintenant. Adama. Voilà, donc le voici. Voici les quelques photos qui ont été prises. Voici les quelques photos. Donc ça c'est le camion, ça c'est la 4x4 qui a transporté Tel Ibrahim à la base. Regardez bien dans le fond, vous allez voir un cargo militaire. Vous voyez le cargo militaire? Voilà, donc sûrement cette 4x4 là. Non, on dirait c'est... Bon, je ne sais pas qui est venu dans cette 4x4, mais bon, comme lui l'est placé ici, on dirait c'est lui qui est revenu. Donc sûrement que ce gars-là, il est allé à la base... Et le ministre de la Défense du Burkina Faso n'était pas encore venu. Donc, il attendait le ministre. Et le ministre est venu. Et quand il est sorti, ils ont commencé à se saluer. C'est comme ça que moi, j'analyse les images. Voilà. Donc, voici Tel Ibrahim qui est au Burkina Faso. Voilà. Donc, c'est une réalité. Une réalité. Une réalité. Voici la page. La page s'appelle Agence d'information. Agence d'information du Burkina Faso. C'est là-bas qu'ils ont posté. Donc, ce n'est pas de la blague. C'est vraiment une réalité. Ça s'est passé aujourd'hui, vendredi 19 avril 2024. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, à partir d'aujourd'hui, Johnny le tunnel, il ne faut plus appeler le capitaine Ibrahim Traoré terroriste. Voilà. Sinon que vous, votre pouvoir, là, vous êtes aussi des terreaux. Si tu l'appelles comme ça, c'est que désormais, dorénavant, votre pouvoir, vous êtes des terreaux. Donc, il ne faut plus l'appeler comme ça. Voilà, je pense que c'est clair. Chers camarades, ceci dit, Herman le Patriote va maintenant prendre congé de vous. C'était un peu ce baillement que je voulais faire. Voilà, et je suis très content.
très très heureux parce que le respect s'impose déjà. Le monsieur n'a même pas encore fait 3 ans. Il est dans sa 2e année. Le respect s'impose déjà. Imaginez-vous que le capitaine est au pouvoir pendant 10 ans au Burkina. Même le Nigeria va se rallier. Le capitaine Ibrahim Traoré est président du Burkina pendant 10 ans au Burkina. Il est au pouvoir. Même le Nigeria va se rallier. Vous allez voir. C'est pourquoi j'ai dit et je le maintiens et je l'affirme et je le confirme et je persiste et j'insiste. Le capitaine Ibrahim Traoré est le président à vie du Burkina Faso. Parce que la chance, ça ne revient pas 2 fois. L'opportunité ne revient pas 2 fois. Hein. Vous avez vu combien de temps cela a pris pour que vous puissiez tomber sur un autre Thomas Sankara? Quand on vous a arraché votre Ibrahim Traoré d'hier qui s'appelait Thomas Sankara, ça a pris 37 ans pour que vous puissiez tomber sur Ibrahim Traoré. Si vous l'avez laissé, si vous dites non, vraiment la démocratie, c'est vrai, on n'a qu'à faire comme le Sénégal, non, on n'a qu'à faire élection. Si vous restez dans les choses, qui est démocrate? Dramane Ouattara, c'est un démocrate? Dramane Ouattara, c'est un démocrate? Il y a démocrate dans ce monde-là? C'est dans les pays développés là qu'on voit la démocratie. Les France, États-Unis, voilà, c'est là-bas qu'il y a la démocratie. Mais en Afrique, il n'y a pas de démocratie ici. Voilà. Si les gens veulent que Ibrahim Traoré quitte le pouvoir, ils n'ont qu'à enlever les momies qui sont au pouvoir au Cameroun. Là. Ils n'ont qu'à les enlever d'abord. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Ils n'ont qu'à enlever fort. Il est dans 4e mandat. Le Togo. 4 mandats fort, Yassine B. Il est toujours au pouvoir. Ils n'ont qu'à aller enlever le gars qui est au Tchad, là, ce maudit-là. Qui a éliminé son opposant, son seul opposant. Et il a effrayé tous les opposants et donc du Tchad. Ils sont tous derrière lui aujourd'hui. Il entend les battre campagne. Mais il y a longtemps, il est au pouvoir. Vous voyez? Donc, ils n'ont pas encore enlevé. Même Draman lui-même, il est dans 3e mandat. La Côte d'Ivoire, la Constitution ne garantit pas 3 mandats. Voilà. Donc, quand on laisse le capitaine Ibrahim Traoré diriger le Burkina Faso, les seuls habilités à pouvoir l'enlever au pouvoir, ce sont les Burkinabés eux-mêmes. Voilà, c'est les Burkinabés eux-mêmes qui peuvent enlever Ibrahim Traoré. S'ils le désiraient, nous on les soutient. Le jour que je vois le peuple burkinabé marcher dans les rues, par millions et par millions, je n'aurai rien à dire. Parce que je n'aurai pas le choix de m'aligner sur leur volonté parce que c'est d'abord leur pays. Voilà, et nous sommes en soutien. Mais tant que les Burkinabés viennent sur nos pages, et puis quand on parle, ils disent « Oui mon frère, tu as raison, il a qu'à rester au pouvoir. » Moi je les soutiendrai parce que je pense qu'il est mieux. Les Thomas Sankara, on ne les gagne pas comme ça. Voilà, si vous les perdez, c'est dans 3 décennies encore, vous allez les gagner. 37 ans, ça fait à peu près 4 décennies. Voilà, vous comprenez, chers camarades. Donc, je remercie donc le capitaine qui a bien voulu accepter que les gens viennent mendier un peu au Burkina, qui a bien voulu, parce que c'est une manière de montrer au monde entier que nous, on est assis que la Côte d'Ivoire. Voilà, même si demain, c'est gâté entre eux, si demain, les gens reviennent encore dans des antagonismes, etc., c'est pas grave. Au moins, l'histoire retiendra que le ministre qui s'est déplacé pour la première fois entre les deux pays depuis que Ibrahim est au pouvoir, c'est le ministre ivoirien. C'est ça que l'histoire retiendra. Le reste, on s'en bat les couilles. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Puisque c'est les mêmes VDP là qui sont allés casser les pirogues ivoiriens. Il y a eu des choses bizarres à la frontière. Ah oui, mais malgré ça, tenez, Ibrahim est allé là-bas pour négocier avec eux, pour parler de sécurité de la région. Donc, chers camarades, la conclusion, c'est que les Burkinabés viennent en puissance, chers camarades. Le respect s'impose. Johnny le tunnel, l'aveugle, il ne faut plus appeler le capitaine ainsi. Il n'est pas un terreau. Sinon, désormais, dorénavant, Tenebirema, c'est un terreau. Draman lui-même, c'est un terreau. Tous ceux qui portent treillis en Côte d'Ivoire sont des terreaux. Parce que lui qui les représente et lui qui les coiffe, là, il est allé voir ce terreau-là. C'est de ça qu'il s'agit. C'est clair. Si tu l'appelles Téro-Téro, c'est que tous les monos en Côte d'Ivoire sont tous des Téro-Téro. Parce que les chefs, le ministre de la Défense, est allé voir les Téro-Téro au Burkina Faso. Donc désormais, dorénavant, il faut chercher autre inspiration ailleurs. Ok? Chers camarades, merci beaucoup de m'avoir suivi. Serment le patron, que Dieu vous bénisse. À très bientôt, par la grâce de Dieu. L'AES toujours. Nous allons vaincre dans ce combat-là. Et les gens vont nous rejoindre. On va créer notre propre monnaie. On va sortir donc du franc CFA. Et l'Afrique sera respectée. Désormais et dorénavant. Je vous remercie. Merci beaucoup, chers camarades. À chaque peuple, son combat. À chaque génération, sa bataille. C'est la nôtre. Nous faisons notre bataille. Et demain, nos petits-fils, nos petits-enfants vont poursuivre le combat. Jusqu'à ce que la peau noire soit respectée à 100% comme la peau blanche est respectée. C'est ça qui est la vérité. Et big up à tous les Congolais
de Sassou Nguesso. Sassou Nguesso, même quoi là. Voilà. Big up à vous. Pour ceux qui ne le savent pas, hier, très tard dans la nuit, chez vous, j'ai fait un direct. Il était 23h, 1h du matin. Les Congolais, et je vais insister, je vais mettre ça ici à la fin de ce direct. Les Congolais ont pris un blanc, un Français, et puis l'ont mis dans l'avion. On dit faut rentrer chez toi. Parce que le Toubabou a insulté un Congolais en plein boulot, dans une raffinerie ou même je ne sais pas quoi, pétrole ou même quoi là. Il a insulté un Congolais. Les Congolais n'ont pas aimé ça. Ils l'ont pris en même temps du travail, du lieu du travail. Il n'est même pas allé à la maison pour s'échanger. Ils l'ont pris en même temps, puis l'ont accompagné à l'aéroport. On dit, il faut rentrer. Toi, tu es chez nous et puis tu nous insultes. Bon, désormais, rentre chez toi. Et désormais, ça va s'imposer. Et c'est la première depuis que l'Afrique noire existe. C'est la première fois depuis que l'Afrique noire existe, chers camarades. Voilà. Alors, merci beaucoup. Je vois des commentaires, mais bon, si je vais lire ça, ça va prendre trop de temps. Je dois vous laisser, chers camarades. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Au revoir.